le 7e stade de la méditation shamatha, jhana. Il y a deux obstacles classiques à l'entrée en jhana, l'euphorie et la peur. L'euphorie stimule et excite le mental. Ça alors, quelque chose se passe. Si le mental se met à penser de la sorte, le jhana ne viendra pas. La stimulation doit être contenue pour laisser place à une passivité absolue. Vous pouvez reléguer tous les « ça alors » à la sortie du jhana, qui est l'endroit le plus adéquat pour cela. L'obstacle le plus probable, cependant, est la peur. La peur provient de la prise de conscience de l'extrême puissance et de l'extrême félicité du jhana, ou bien de la prise de conscience du fait que pour entrer en jhana, il faut laisser quelque chose derrière soi, vous-même. Avant l'entrée en jhana, l'acteur est silencieux, mais il est toujours présent. En jhana, en revanche, il a complètement disparu. Seul le spectateur continue à être en fonction. On est pleinement conscient, mais on n'est absolument plus aux commandes. On ne peut même pas formuler une simple pensée, encore moins prendre une décision. La volonté est figé. Et cela peut effrayer les débutants qui n'ont jamais vécu un tel abandon de contrôle en même temps qu'une conscience aussi éveillée. On a peur de renoncer à une partie essentielle de notre propre identité. On peut surmonter la peur par la confiance dans les enseignements bouddhiques, ainsi qu'en reconnaissant et en se laissant conduire par l'attirante béatitude qui se profile. Le Bouddha a souvent dit qu'il ne fallait pas craindre la béatitude du jhana, mais la poursuivre, la développer et la pratiquer souvent. Avant que la peur ne surgisse, offrez toute votre confiance à cette béatitude. Conservez votre conviction à l'égard des enseignements bouddhiques et l'exemple des disciples Arya. Faites confiance au Dhamma, aux enseignements, et laissez la chaleur du jhana vous étreindre dans une expérience dépourvue de tout effort, dépourvue du corps et de l'ego, béatifique, et qui sera la plus profonde de votre vie. Ayez le courage d'abandonner tout contrôle un certain temps et de tenter l'expérience vous-même. Le jhana doit durer longtemps. Il ne mérite pas ce nom s'il ne dure que quelques minutes.
les jhanas supérieurs durent habituellement de nombreuses heures. Une fois en jhana, on n'a plus le choix. On n'en émerge que lorsque l'esprit est prêt à en sortir. Quand tout le carburant de l'abandon a été consommé. Chaque jhana est un état de conscience tellement tranquille et satisfaisant que par nature, il persiste très longtemps. Une autre caractéristique du jhana est qu'il ne survient qu'une fois que le nimitta est perçu. Il faut savoir en outre que durant le jhana, il est impossible d'avoir une sensation corporelle, par exemple une douleur physique, d'entendre un son ou de produire une pensée, pas même une bonne pensée. Il y a seulement une claire unité de perception, une expérience de béatitude non duelle qui se poursuit sans changement pendant très longtemps. Ce n'est pas une transe, mais un état de conscience surélevé. Ma description devrait vous aider à voir par vous-même si ce que vous jugez être jhana est réel ou est seulement imaginaire.